Bon, l'épisode commence très très bien. Alors, je vous dis ce qui s'est passé. Ça faisait une heure que je jouais. On a fait toutes les courses, bref, tu connais les bails. Je regarde mon OBS et je vois qu'en fait, il ne rec plus. Je te laisse deviner mon état. Oui, j'ai perdu toute la lignée des courses pour accéder à ma Tudy Charo. Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. Putain, je suis dégoûté. En plus, alors je vais vous dire ce que vous avez raté. Des conneries, j'en ai sorti pas mal. Mais vous avez loupé une rage puissance 1000. Oui. La seule manette qui me reste, j'ai trouvé le moyen de la flinguer contre le bureau. D'ailleurs, il y a des traces bleues. Bref, j'espère que vous allez bien, les gars. C'est Monsieur JCK, on se retrouve pour un nouveau épisode. Alors, l'épisode, je ne sais plus combien. Bah oui, quand on aime, on ne compte pas. Hein. C'est surtout, comme je dis à chaque fois, que je m'en souviens pas. Bref, donc on va se retrouver encore une fois. Hein. Bah, encore une fois, moi, encore une fois, pendant une heure, 2 heures. Hein. 2 heures que je joue à ce jeu. Hein, de la rage, de la joie, des conneries, etc. Mais ouais, tu comment ça? Ah, tu vois, je les ai là, tu vois, les couilles, elles sont tendues, tu vois. Bref, c'est la merde. Et vraiment la merde. Bref. Alors, on est toujours avec l'Eclipse. Malheureusement, j'ai pas acheté d'autres voitures. Alors, ça va que j'y ai vu à la dernière course, parce que ça se trouve, j'aurais jamais vu. J'aurais jamais. Ça se trouve, j'aurais eu la Lancer, et ça se trouve, j'aurais pareil, etc. Vous n'aurez rien compris au truc. Bref, là, voilà, j'ai eu la présence d'esprit, comme à chaque fois. Vous savez, je regarde souvent mon OBS pour voir combien de minutes ça fait, pour voir si l'enregistrement est toujours viable. Hein, si l'enregistrement enregistre toujours, hein, d'où le but d'un enregistrement. Et c'est vrai que la deuxième. En fait, j'ai fini les courses qu'il y avait à faire. Après, j'ai directement enchaîné sur la photoradar. Et à la fin de la photoradar, je regarde mon truc, je vois qu'il n'enregistre plus. Et puis, il n'enregistre plus, mais bien avant tout ça. Donc ça se fait que j'ai joué, j'ai joué, j'ai joué, j'ai joué. Mais il m'a dit nique ta mère. Ouais, ça c'est l'effet Matuidi Charo. Voilà. Puis la preuve, vous savez que j'ouvre à chaque fois une bouteille. Hein, vous voyez, la bouteille elle était là quand je l'ai ouvert. Alors, tu vois, donc vu que je parle, je. Bon, bref, allez, on continue là. J'ai déjà perdu 2 heures. C'est bon. Pourquoi la. Voilà. Scream Bar ne fonctionne plus. Ok. Ah non, c'est bien envahi. Ah, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Bref, allez. Let's go, les gars. On emboîte. On emboîte. Oui, avec un sprint, le dernier. Après, on espère choper. Parce que je ne peux plus voir l'éclipse. Hein, qu'on se le dise. Je ne peux plus la voir. Je sais pas. Je sais pas. Je peux plus la voir. J'en ai plein le huc de cette bagnole. Ça avance que dalle. On va commencer à aller. Oula. Aller contre des Porsche, etc., etc. Eh ben putain, mais je suis vraiment dégueulasse, moi. Eh ben voilà, on est en train d'en chier. Je suis en train d'en chier. Parce qu'il y a des courses là que j'ai fait en circuit contre des Porsche et des Féfés. Hein? Je me serais bien gardé de les faire. Hein. Bref, d'où le rage et le tabassage de manette en règle. Mais bon, c'est pas grave, on est là pour kiffer. Vous verrez quand même le 9e être battu. Voilà, là on va passer au 8e après, si tout se passe bien naturellement. Oui, on va pas faire ça dans la demi-mesure. Hein. Alors ça me fait chier honnêtement d'avoir perdu 1 heure. Bon, ça raccourcit le let's play d'un épisode. Pour compenser, on fera un let's play uniquement à la fin de customisation. Voilà, j'espère que ça vous fera plaisir comme lot de consolation. Ah putain, j'aurais dû prendre ce putain de raccourci. Ah putain, non. Ah non. J'ai eu un flashback d'une course. J'espère qu'il n'y aura pas ce fameux passage, vous savez, le passage avec la Porsche là. J'ai l'impression que c'est à peu près le même tracé, mais presque à l'envers. C'est très bizarre comme sensation. Par exemple, je l'ai fumé là.
Ah, c'est sur la course des photos, là, des radars. Il m'a fait chier. Là, je l'ai fumé. Bref. Alors, j'en ai dit des choses, putain, pour retour dire ce que j'ai dit. Alors déjà, oui, déjà, on va commencer par le commencement, hein. Ah, tu commences pas un livre par la fin. Hein? Bref. Ils vécurent heureux, toi tu commences comme ça le livre? Non, ben voilà, mes vidéos c'est pareil. Merci, merci, merci énormément les gars pour tout ce que vous avez. Ah bah oui, c'est ouais, c'est ça. Ah oui, bah là, regardez ce tracé de fils de. Hein. Bref. Merci pour tout ce que vous avez dit dans l'espace commentaire du précédent Let's Play. Merci énormément les gars. Merci beaucoup. Merci beaucoup, beaucoup. Ça m'a fait chaud au cœur et honnêtement, vous avez été nombreux à me dire, non mais JCK, t'inquiète frérot, dis ce que tu penses. Il faut dire ce que tu penses dans la vie, etc. C'est pas parce que t'es sur YouTube que tu dois changer de personnalité, etc. Et honnêtement, ça m'a fait plaisir, ça m'a fait chaud au cœur et je vous remercie énormément pour tout ça. Merci beaucoup. Honnêtement, je pensais que ça allait être le coup de gueule de trop, que vous allez pas m'en vouloir, mais presque quoi, d'en avoir marre que je gueule tout le temps. Mais finalement, non, je vois que ma communauté est présente, je vois que ma communauté, eh ben, c'est la meilleure, honnêtement, c'est la meilleure parce que y en a des qui ont peut-être pas aimé, hein, y en a, toi, voilà, mais honnêtement, je vous remercie. J'ai que ça. Comme il est revenu, l'autre fils d'up. Incroyable. Incroyable. Je lui mettais 6 secondes dans la gueule, le mec, il est revenu me lécher le cul. Incroyable, ça. Et bref, par rapport à ça, en fait, je me suis dit, tiens, il y a un jour, Flo, il m'avait parlé du classement des chaînes YouTube. Ah, ouais, parce que je me suis posé pas mal de questions. Je me suis posé pas mal de questions, je me suis un peu remis en question hein, sur certaines choses. C'est vrai que j'ai regardé ma chaîne comme elle était. C'est-à-dire que j'ai été voir d'anciennes vidéos, etc., etc. Bon, le langage n'a pas changé, hein, bien que il aurait pu le changer. Hein, c'est-à-dire, avant, je parle. Voilà, j'ai toujours parlé comme je parle. J'aurais pu dire, attention, là, attends, attends, attends. Mec, si tu veux faire carrière dans le YouTube game, alors que c'est pas du tout envisagé, hein, faudrait que tu te calmes sur ta manière de parler. Bref, j'ai jamais fait ça. Et c'est vrai. Oh putain, il est derrière moi. Fini de se traîner là. Et du coup, je me suis dit, ouais, je vais regarder le classement de ma chaîne. C'était Flo, voilà, comme je vous l'ai dit. J'ai l'impression de me répéter, j'ai l'impression de l'avoir déjà dit dans cet enregistrement-là de la vidéo. Mais c'est bizarre, je vous dis les gars, c'est hyper chiant. Bon, on va finir la course tranquille, j'ai envie de vous dire. Teflo m'avait dit, en fait, si, voilà, si peut-être pas que IA te contacte ou d'autres trucs te contactent, c'est peut-être parce que ta chaîne est mal classée par rapport à ton contenu, par rapport à ce que tu dis sur YouTube. Et c'est vrai que, alors on peut plus voir maintenant nos chaînes, comment elles sont classées. Mais c'est vrai que j'ai comparé ma chaîne à d'autres, à leurs trucs, etc., leur nombre de vues, etc. Moi, je suis pas en chien de vues, etc. Tout se passe pour ma part, je me contente de ce que j'ai, donc pour moi, ça se passe très très bien. Mais le truc, c'est mon contenu. C'est mon contenu, c'est-à-dire que c'est vrai que quand une marque ou un éditeur ou, je sais pas, d'autres choses. Viennent me trouver, regardent mon contenu et quand ils voient les propos que je peux avoir sur YouTube, ma manière de parler, etc., etc., je peux comprendre que je sois mal noté. Donc, des fois, voilà, c'est vrai que ma chaîne, elle en pâtit, mais je ne changerai pas. Vous aimez comme je suis, je ne changerai pas. Je vais faire du pognon, les gars, je peux en faire. Mais voilà. Bref, là, il nous faut sa lanceur. Bref. Si je veux faire du pognon, je peux en faire. Mais à quel prix? Changer, c'est pas. Voilà. Donc, je vous remercie encore une fois, les gars. Merci énormément de m'accepter comme je suis. Hein, avec mes petits. Comment on dit ça? Bah avec mes petits à côté. Hein, de ma manière de gueuler, ma manière de dire des choses, etc. etc. Je vous remercierai jamais autant. Et merci beaucoup pour tous vos messages. Et puis, voilà! Allez!
Allez, les gars, il n'y a pas moyen, on se retape pas l'éclipse. Hein. Là, je sais pas, choisis celui-là. Tiens l'éclipse! Ah, bah voilà! Le secteur de Rockport est débloqué, ça veut dire que nous sommes presque à la moitié du jeu. On est huitième de la liste noire. Bah, on va taper le huitième. Et ouh, petite blonde, c'est Jade Barrett Jewel. Elle est mignonne. Non, la mignonne, pas elle est mignonne. Oui, c'est la dyslexie qui parle. Oui, la dyslexie, si vous ne savez pas ce que c'est, vous regardez dans le dictionnaire, vous allez pouvoir trouver. Bref, la mignonne. La mignonne là. La mignonne là, c'est oui. Ouais, la mignonne, tu aurais pu mettre, c'est Jewel. Bref, Jewel en plus, c'est une marque de clope électronique. Bref, fan de grosses cylindrées et de puissance. Ah, t'inquiète, il y a ce qu'il faut dans JCK en termes de cylindrée. Elle a pas mal de bornes au compteur. Oh la salope! Ah ouais? Ouais, c'est. Je vais avoir les féministes sur le dos là. Je rigole, je rigole. Ceux qui la présentent pour une débutante, prennent pour une débutante sont souvent. Oh, j'ai pas envie de lire, honnêtement. En plus, je me chie totalement dessus là. Bon, on s'en bat les couilles. Ouais, on est là pour jouer, on n'est pas là pour lire. Si je veux lire, je prends un livre. Ouais. Oh, dommage, j'ai pas. Ah, c'est pas ce que je voulais faire, les gars. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Bisoumia. Elle me kiffe. Alors, on va aller à la planque. On va aller à la planque. On va vendre cette immonde voiture. 15 000. Eh, bah les couilles. Je la donne. S'ils la veulent, je la donne. J'ai même pas besoin de la prendre. Je la donne. Je vous la donne. Alors, oh, 29% de carrière. C'est pas mal. Non. On peut accéder directement au défi rival. Bon, de toute façon, on est là pour faire les courses, on n'est pas là pour faire de la merde. Bref, allez, let's go! Donc, ça c'est qu'il n'y a que ça en course? Attendez, attendez, il n'y a que ça en course? Il y a peut-être beaucoup de défis. Ah non, mais en fait, ils sont beaucoup plus durs, en fait. Heurter 18 bagnoles, ok. Éviter 2 herses, ok. Neutraliser 5, ok. Tout est faisable, tout. Bon, là, les primes, jamais compris. Honnêtement, je crois que j'ai jamais compris à quoi ça servait. Dites-moi dans l'espace commentaire, hein, mais. J'ai jamais compris. Bref, reprenez le mode exploration. Let's go. On va aller vite fait un peu customiser cette petite. Ouais, ça me gêne. Ah, j'ai cru qu'elle faisait le même bruit que l'éclipse. J'ai eu peur. Oh, mais elle est super maniable. J'avais oublié cette bagnole. Mais c'est le Fuego. Ah, le chauffard. Le chauffard, le chauffard. Et alors, il y a un truc qui me. Pourquoi j'ai les défis déjà activés j'avais jamais fait gaffe. Ouais, c'est bizarre. Bref, c'est pas grave. C'est pas grave, bref, on n'est pas là pour faire de la custom, on est là pour customiser le moteur, frérot. Le moteur. Ah, quand même, 98 000 le montant. Ah ouais. Ah, d'accord. Alors, on va mettre en pro. On va mettre en pro. Transmission. Ah putain, 72 000, mais ils font chier. Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il y a un point d'interrogation là? D'exclamation, pardon. Suspension. Putain, on va tout balancer encore dans la. Ouf.
Attendez, on va prendre le turbo avant. Ah. Attendez. Ah ouais, mais ça peut être utile. Oh, il y a un dilemme là. Putain, mais ouais, mais les suspensions aussi, c'est utile. Turbo. Vas-y, ils peuvent pas faire un chrome là? Putain! Peut-être prendre un peu de frein, non? Va prendre du comportement, on va mettre les freins en pro. On va prendre que les freins en pro, les pneus, on va les mettre aussi en... Mais il nous fallait du NOS aussi, mais on a le turbo n'est pas adéquat. Mais pourquoi ça m'a pas... Ah mais non, j'ai peut-être acheté. Bref, on s'en fout. Si, non? Putain, mais alors le livre va être nul ce let's play là, cette partie. Putain, dire que j'avais fait un bon truc tout à l'heure là. Là, je me retrouve en chien là, laisse tomber. Ah ça fait chier. Hein. Ouf. Oh, on dirait des skins sur sur grid. Comme ça, je la veux comme ça. Je la veux comme ça, point final. Allez, c'est pas grave. Allez, prends mon pognon là et on se casse. Il n'y avait pas l'arrière-boutique. Non, il n'y avait pas l'arrière-boutique? Oh, on y a peut-être mis. Oh putain, le con. J'ai mis sur l'éclipse. Ça valait pas le coup. Ouf. Oh, mais comme elle est trop belle! Oh, comme elle est trop belle comme ça! Oh, dites-moi si elle est belle. Mais pourquoi je. Non, je veux pas aller à la planque. Mais comme elle est trop belle! Non, pas Jewel. Alors, ça c'est quoi? Élimination directe, ok. Mais moi il me faut du maxi, moi, parce que du coup je suis redescendu à 1. Payage. Non. JCK, fais les flics avant. Alors, on doit heurter 18 bagnoles. Ok, provoquer une poursuite et faire durer pendant au moins 6 minutes et réussir à s'enfuir. Il n'y a pas de problème. Éviter 2 herses et totaliser 5 infractions en une seule poursuite. Pour. On va le faire. Facile. Allez. Ah, putain, je suis deg. Il faudrait que je voie avec Speedo pourquoi, du coup, je me retrouve avec les défis déjà activés. C'est un peu chelou, surtout que les modes sont pas sur cette partie. C'est bizarre. Enfin bref, c'est pas grave, hein. Allez, viens te battre. Oh, regardez, les trucs des flics dans la couleur chrome, c'est beau, c'est beau, c'est. Allez, suis-moi. Allez. Oh, mais. Casse-toi avec ta cacahuète, toi. Ah, viens là, toi, parce qu'il y a 18 hein, de tes potes que je vais devoir toucher le cul, là. Allez. Ah. Ah ouais, alors là les gars, je suis pas trop excité là, parce que je vais vous dire un truc. J'ai fait le déménagement de ma mère hier. Je suis éclaté. Ah oui, éclaté. Mais éclaté de chez éclaté, hein. Il n'y a pas de. Ah, y a pas de demi-mesure. Oh, l'autre. Il s'est éclaté tout seul, lui, par exemple. Ah, je suis éclaté. En plus, putain, je porte un truc. Alors moi, je suis le genre de gars. Je vais. Je rendrai toujours service, toi. Tu vois, à ma mère, parce qu'il est normal, tu vois.
Mais je suis le genre de mec que tu vas demander service, mais je suis le genre de ce genre de là. Je suis le genre de ce genre de là. Ouais. Je suis ce genre-là qui va être capable de se blesser en fait. Ah, quand moi je rends service, ah, je suis obligé de me faire mal. Tiens. Et là, pas manqué. Ah, je porte le sommier de ma mère. Ah, je le mets vers la fenêtre. Je recule, je me baisse. Je me lève. Je me lève. Je me lève. Je me relève. Je me prends le truc du comment ça s'appelle? Vous savez, comment ça s'appelle là, ces conneries? Ah, bah comment ça s'appelle? J'ai perdu le nom, les gars. Dites-moi. Bah, dites-moi. T'as pas pouvoir beaucoup m'aider. Le truc des stores. Là, l'espèce de manivelle, ou je sais pas comment ça s'appelle. Bah, je me suis pris ça en fait dans le dos, en bas du dos. C'est une horreur. Ah, mais je sais, c'est comme ça, hein. Moi, c'est toujours été comme ça. Toujours. Ah, j'aide, je me fais mal. Ah oui, une fois, je me suis dénié l'épaule. Je me suis déplacé légèrement le je sais plus quoi, là. En aidant un pote à rénover chez lui. Qui c'est qui a payé l'ostéopathe? Ah bah, c'était moi, bah, bien évidemment. Pas lui, hein. En plus, j'aide et je perds de l'argent, c'est incroyable. Ah, mais je crois on est beaucoup comme ça, hein, dans le même cas que moi, donc ça me rassure. Allez! T'as 52 secondes, c'est long. Bah, en fait, là, je perds un peu patience parce que vu que j'ai enregistré. Vu que j'ai enregistré déjà une première partie. Bah, pour moi, c'est un peu long, quoi. J'aime beaucoup, hein, Most Wanted, mais c'est vrai que des fois, c'est long, quoi. Bah là, c'est long, quoi. Parce que là, j'étais tellement content d'avoir fini mon bout de let's play, etc. Bon, t'as fini, toi? Qu'est-ce que tu fais, là? L'autre, on l'attend, là. Ah, faut que j'y fasse attention parce que j'en ai plus qu'un. Allez! Oh, tiens, voilà. Casse-toi de là. Ça, c'est bon. Ça aussi, allez! Allez, là, viens, viens, viens te battre! Allez! Mais la tactique, elle est simple. Tu te laisses faire et ça se passe. Là. Là, là. Oh putain, mais c'est un gangbang ici. Toc, 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 qui est là? Oui, vous venez pour faire quoi? Bah, pour le gangbang. Ok, rentrez. Ah, c'est chaud ça quand même. Hein. Ah, j'écoutais Skyrock un peu. Ah, moi j'aime bien. Ah, c'est mon délire Skyrock. Parce que c'est le même humour que moi, tu vois. C'est le même humour. Ah, c'est du cul, de la merde, c'est que du truc, tu vois, des trucs simples, tu vois, où on rigole, où t'as pas besoin de réfléchir, où ça te fait du bien de penser à tout ça, tu vois, frérot. Moi, j'aime pas les trucs où tu te prends la tête, où c'est triste, etc. Moi, faut que je rigole, tu vois. Et l'autre fois, il y a un mec, le soir, il passe sur Skyrock, et puis il dit, ouais, donc moi, voilà, j'ai un problème, ma femme, elle veut. Se faire prendre en gangbang. Mais les gars. Attendez, je lève la main pour parler, hein, s'il faut. Hein. Mais dans quel délire? À chacun son triple. Mais expliquez-moi en fait. Expliquez-moi quand même ce sombre délire. Et puis, hein, ça veut pas. Non. Alors pour ceux qui vont me dire. Ouais, mais. C'est un plan à plusieurs. Non, non, un gangbang, c'est un gangbang. Putain, mais je parle de gangbang dans mes let's play, mais. Ah, ben, faut que j'arrête, moi. Faut que j'arrête ma carrière, parce que là, honnêtement, c'est affreux, quoi. Je suis affreux, en fait.
Je suis un putain de affreux. Les gars, rendez-vous compte de quoi je vous parle. Rendez-vous compte de quoi je vous parle. Je vous parle de gangbang. C'est incroyable. J'aurais vraiment parlé de tout. C'est affreux. C'est affreux. Bref, allez. Qu'est-ce que j'étais en train de dire, moi? Ouais, donc un gangbang. Non, en plus, je continue, mais putain, mais... Oh, non, mais c'est incroyable, ça. Hein. Ouais, mais allez, putain, on s'en fout. Comment tu peux faire des trucs aussi sombres? Demander ça à ton mari. Ouais, laisse-moi me faire prendre par des mecs inconnus. Comme je vous ai dit, c'est pas deux, hein. Ça en est 5-6, tu vois, en général. Ah, sinon, voilà. Viens là, toi, on n'a pas fini de jouer. C'est incroyable. Ah, moi, non, mais non, non, mais... À deux, à faire des... Ouais, à la rigueur. Ouais, à trois, tu vois, ça va, ça passe. Mais à deux. Ah, à deux, à 5-6, c'est... C'est incroyable, c'est... Après, il y en a des qui kiffent, attention, je suis personne pour juger qui doit faire quoi, tu vois. Mais c'est hard. Du coup, le mec, ah ouais, le mec, il était en sœur, quoi. Il dit, ouais, je suis pas prêt à avoir ma meuf. Mais qui est prêt? Qui est prêt? Outre un mec dégénéré, parce que pour moi, non, pour moi, c'est pas ça, hein. Pour moi, c'est pas ça, être en couple. Hein. Après, il y en a deux, je suis d'accord, ça peut les exciter. Hein, mais voilà. Allez, on arrête de parler de ça. Là, mais... Et puis, pourquoi je parle de gangbang? Non, mais les gars, trouvez un seul mec sur YouTube qui joue à des jeux comme des jeux de comme des jeux vidéo, tu vois, qui fait un let's play. Au lieu de parler du jeu, etc., moi, je vous parle de gangbang. Et après... Je vais m'étonner de me faire que YouTube me démonétise. Non, parce que alors ça, je suis un champion. Hein. Tu m'étonnes. Bah, c'est déjà bien, après, j'ouvre les yeux aussi, hein, je sais ce que je fais. Hein. Allez, il nous faut des herses maintenant. Allez, déploie des herses, toi, enculé, là. Allez, là. Ah ouais, alors, putain, attendez, les gars, vous m'avez régalé dans l'espace commentaire, les gars. Vous m'avez régalé quand j'ai testé Need for Speed Heat au volant. Vous m'avez régalé. Alors, il y en a certains. Ouais, le TMX, c'est de la merde. Etc, etc. Bref, bon. Faut savoir, les gars, je fais ce que je veux. Moi, écoutez, je voulais prendre le Logitech. Au final, quand j'ai vu que je voulais l'acheter en plusieurs fois. Alors, je me suis dit, oui, je vais l'acheter en plusieurs fois. De base, il faut savoir que tous les magasins, que ça soit Micromania, que ça soit Carrefour, que ça soit Boulanger, que ça soit n'importe quel magasin, etc., ils n'avaient plus chez moi. Impossible d'en retrouver. Même sur le site de Logitech, voilà, ils disaient comme quoi c'était pas sûr que vous sauriez que vous allez recevoir votre machin, bref. Et moi, ça m'a pété les couilles. Et en fait, j'ai regardé les équivalences. Et puis, il y avait ce fameux TMX Pro. Et du coup, je me suis dit, allez, go, tu sais quoi, on se casse pas la tête, frérot. Du coup, voilà. Parce qu'en fait, après, je voulais l'acheter sur ces discounts, ce fameux Logitech. Et en fait, je voulais payer en plusieurs fois. Parce que j'avais envie. Et du coup... Écoutez bien, pour payer maintenant plusieurs fois sur ces discounts, tu dois avoir la carte Cdiscount qui te coûte 30 balles par an. Qu'est-ce que j'en ai à branler de la carte Cdiscount? Les gars, honnêtement, c'est pas une question de payer, mais c'est une question d'avoir le truc. Et en plus, je le recevais presque dans un mois. Moi, je suis désolé, les gars. Je vais pas attendre un mois pour avoir un truc.
Alors maintenant, avec maintenant que c'est un peu revenu à la normale, les expéditions, etc. Pourquoi pas le recevoir? J'aurais pu le recevoir un peu plus en avance si j'aurais commandé cette semaine, mais la semaine dernière c'était impossible. Moi je me suis dit, les gars, c'est bon. Et du coup, je me suis dit, tu sais quoi? Je me suis dit ça comme ça. Putain, c'est des bonnets, les flics. Du coup, je me suis dit ça comme ça. Je me suis dit, enfin, je me suis dit, non, mais attends, attends, frérot. Ouais, parce que je m'appelle frère aussi, hein, tout seul dans la vraie vie. Hein. Ouais, quand je m'interroge, je me suis dit, mais frérot, mais attends, mais est-ce que t'es un pro volant? Est-ce que t'as besoin d'avoir un truc si lourd que ça? Eh ben non, j'ai déjà eu un TMX, et honnêtement, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Moi, je suis pas un pro. Je suis quelqu'un qui veut se faire plaisir. Peut-être que si j'aurais été un pro à jouer tout au volant, etc. Ouais, ok. D'accord. Je suis d'accord. Là, j'aurais pris mon mal en patience. J'aurais acheté le Logitech. Ben, honnêtement, je n'en voyais pas l'utilité. C'est tout. Il n'y a pas besoin de polémiquer sur mon volant. Hein. Il y en a beaucoup hein, qui m'ont fait la réflexion, même sur Instagram. Le plus, c'était sur Instagram, bien évidemment, où j'ai eu le plus, parce que je l'avais mis en story. D'ailleurs, si tu ne me suis pas, c'est dans la description, petite pub. Mais voilà, je veux. Putain. On va pas passer le let's play à faire. Non, 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 je suis là, les frérots. Je suis là, je suis là! Il se barre, regardez l'autre bonnet! Bref. Je sais plus ce que je voulais dire, mais bref. Voilà. Donc moi j'ai choisi celui-là, c'est comme ça. Ouais, j'avais dit que j'avais mis sur Insta. Il y en a pas mal sur Insta là qui n'étaient pas d'accord avec mon choix. Après, les gars, je vais vous dire honnêtement, l'argent, c'est moi qui le mets. Hein. Et honnêtement, j'ai acheté le même prix. Donc à peu près le même prix. Un peu moins cher. Hein. Mais voilà, bref, allez, on arrête de parler de ça parce que sinon on va en parler pendant 1000 ans et ça va revenir au même, ça va faire débat. Mais voilà, en plus j'ai trouvé mon petit baquet, etc. Quel plaisir les gars d'avoir un baquet correct sans avoir dépensé 400 balles parce que ça aussi. Ah, putain. Alors, sans avoir dépensé, il y a d'autres play, il y avait des playsites qui étaient. Qui était pas très cher, tu vois, style 200 balles, les trucs comme ça. Le seul problème des playsites à 200 balles, c'est que la livraison, elle était tardive. Et moi, quand je veux quelque chose, je veux tout de suite. Dites pas, non, vous êtes pareil. Quand on veut quelque chose, il nous le faut tout de suite. Hein. Donc, putain, mais ça fait 30 minutes qu'on est en train de faire cette putain de course. C'est quand les R, ça? Les level 4, là, direct? Donc, non, non, joue-moi pas ça. Non, non, il est où? Là. Bref, donc du coup, j'ai trouvé le petit Big Ben, le siège Big Ben en. Honnêtement, je vais le rehausser avec un. Bah, rehausseur, ce qu'on appelle un rehausseur playseat. Ah, pour qu'ils soient un peu plus grands, parce que là je suis à même le sol, donc c'est assez chiant comparé à l'écran et tout. Mais voilà quoi. Je suis refait. J'ai mon playseat, bah, mon faux playseat, on va dire. Mon volant. Pour pas trop cher le tout. Voilà, moi je suis heureux. Le principal, les gars, c'est d'être heureux avec ce que l'on a. Point final. Après, on a dit qu'ils veulent avoir la perfection. C'est leur truc. Moi, je me contente de ce que j'ai. Voilà. Je me contente de ce que j'ai. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Voilà. Il y avait un autre truc que je voulais vous parler. Mais je m'en souviens plus. Je m'en souviens absolument plus, les frérots. Non, 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 non. Là, mais je suis là, les frérots. Je suis là, je suis là.
Putain, mais... Oh! On dirait le flic dans Doc Martin. Vous connaissez Doc Martin? Dites-moi que vous connaissez, les gars. Dites-moi que vous connaissez Doc Martin. Alors, là, vous me dites, ah, mais c'est un truc de beauf! Alors, oui. Mais moi, ça me fait rire. Donc, c'est vrai que pour ceux qui connaissent, pour moi, les flics, là, j'ai l'impression d'avoir le flic dans Doc Martin, quoi. C'est. Non, alors, j'ai regardé ça, mais vous inquiétez pas, je regarde pas Camping Paradis, parce que alors ça, oh là là, comment c'est une horreur! Oh, c'est trop mal joué. De toute façon, les trucs français, c'est trop mal joué. C'est pas que je veux faire de la critique, mais des trucs grand public. Alors, pas les trucs César, machin, mes couilles, parce que ce qui passe au César, tu le vois jamais, hein. Tu le vois sur Canal+, ou sur les chaînes qu'il faut payer une blinde, tu vois. Alors, moi, c'est pas trop mon délire, tu vois. Mais tu vas la passer, cette cinquième, là. Oh, putain, les herses. Wouhou! Allez, venez, là. Venez vous battre. Oh, merde. Tu me bloques rien du tout, ouais. Ouais, t'as bloqué ton frérot, hein, c'est tout, hein. Allez! On se casse! Putain, comme elle était longue. Comme ma bite! Ah putain. Ah, il y en a beaucoup hein, qui doivent me trouver beauf, etc. Mais honnêtement, les gars, je vous le dis un truc. Il n'y a pas de mal à être un beauf. Hein. De toute façon, on est tous le beauf de quelqu'un. Voilà. Si, il y aurait un truc à retenir dans ce putain de let's play que j'ai recommencé deux fois. Hein. Attendez. C'est que. Ah ouais, parce qu'il faut savoir que je bois au moins 3-4 litres par jour. Je vous le dis, hein. Je passe ma vie aux chiottes. Bref. On sera toujours le beauf de quelqu'un. C'est la phrase qu'il faut retenir. Ah ouais, il y en a toujours un qui, pour lui, tu seras un beauf. Moi, c'est possible que je sois le beauf de beaucoup de monde. Ah bah, oui. Parce que moi, j'aime bien l'humour American Pie, humour noir, les trucs comme ça, j'aime beaucoup. Je m'en bats les couilles. Bah de la sape maintenant, tu vois. Maintenant, ah ouais, avant j'avais tout le temps les dernières marques, les derniers jeans. Bah les couilles de ce thème. Putain, mais. Être une fashion victime comme avant, on les appelait, les gars, je vous le dis, ça ne fait pas ton personnage. Parce que généralement, devant l'apparence, de l'apparence, eh ben, tu te dis, putain, lui, il doit avoir de l'assurance. Et quand tu grattes un petit peu, eh ben, c'est que du paraître. Tu vois ce que je veux dire? L'apparaître ne fait pas. Le moine, hein, si, bref, voilà. Qu'est-ce que j'essaye de faire des phrases scientifiques, moi? Incroyable, ça. Oh merde! Allez, salut! Bon, là, faut qu'on se casse, hein. Ah oui, il y en a deux aussi. Ah ouais! Quand je vous dis qu'on est toujours le beauf à quelqu'un, moi je suis le beauf d'à peu près tous ceux qui pensent que jouer à Pokémon Go, c'est plus à la mode. Ah, parce que je vous le dis, hein, moi je joue toujours à Pokémon Go, je jouerai toujours à Pokémon Go, hein, de toute façon je joue toujours à Pokémon. Oui, je suis comme ça, j'ai grandi avec les gars. Qu'est-ce que vous voulez que je m'enlève une partie de mon enfance? Tout ça parce que je vais avoir 29 ans? Putain, je vais avoir 29 ans. Ah non, mais ça c'est un truc de ouf. Hein. Moi j'aime pas ces pseudo-réflexions. Ouais, t'as tel âge, t'es un gamin, tu joues encore à ceci, tu fais encore cela. Ouais, et. Non! Non! Oh non, je. Non, non, bah non, bah non, mais. Mais il a apparu! Mais il a apparu! Mais... C'est trop! C'est trop! C'est trop! C'est trop! C'est beaucoup trop là. C'est beaucoup trop.
C'est beaucoup trop les gars. C'est beaucoup trop, 40 minutes que je suis sur ce putain de truc de merde. Le truc il a apparu comme un Pokémon. Ouais, c'est bon moi les gars, je vais arrêter le let's play là, ça fait 2 heures que je tourne dessus, ça fait trop, je rage, c'est bon. Eh, nique ta mère toi, ouais, bah ouais, paye avec un pass, bah ouais, j'en ai eu tellement des passes que... Mais bah oui frérot, c'est normal, je paye avec un pass, j'ai au moins 10 000 passes. Je vais tout recommencer, vas-y les gars, je recommence à rien. Oh, je recommence à rien du tout. Ah, je recommence pas, je m'en bats les couilles, je vais faire des courses à la place, c'est bon. Putain. Ah, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. C'est trop, c'est trop. Ouais, c'est bon. C'est beaucoup trop là. Bah ouais, tu m'étonnes. Eh, je me suis pris le truc là. Putain, me faire bouffer par des focus qui sont même pas tuning, je vais te dire que ça commence à me... Ah mais là en fait je crois que j'aurais dû vous poster la moitié du truc, je l'ai supprimé, j'aurais jamais dû, putain. J'aurais jamais dû recommencer. C'est malheureux mais je vous le dis, hein, j'aurais jamais dû recommencer parce que ça met les nerfs à rude épreuve. Hein. J'y crois pas, t'es 40 minutes de course limite quoi, t'as dit eh, putain. Putain, mais l'autre, tu me colles au cul, l'autre, avec sa merde. Bah ouais, allez, putain. Il fallait, au bout d'un moment... Vainqueur, ok, tant mieux. Il fallait, au bout d'un moment, que ça arrive. Il fallait, au bout d'un moment, que ça arrive, que je rage. Ça pouvait pas être beau tout le temps. On est d'accord là-dessus, les gars. On est d'accord. Ouais, bah bien sûr, une Lamborghini, mais... Mais viens avec une Veyron! Viens avec une Veyron, frérot! Il y a un putain de raccourci, je l'ai pas vu. Ah, je suis vénère là! Là, je suis vénère. Mais casse-toi, putain! Mais l'autre, il avance que dalle! Mais c'est l'avenue 9 3 quarts là, comment ça se passe ce truc là? Mais par où ils passent ces chiens? Ah, ok, d'accord. Oh. Oh bah là, bon, j'en suis saoulé. Mais mon fond vert il est pas mis correctement, ça aussi ça m'énerve. Tiens, toi, casse-toi de là. Mais l'autre, il a une Lambo. Ah, c'est le pire épisode là. Là, c'est le pire épisode, les gars. Et je fais un effort de continuer à faire les courses. Hein.
L'autre, il était bien, putain, je parlais tranquille, je parlais de bien. Là, j'ai parlé de gangbang. De la merde, cet épisode. De la merde! Seul truc de bien, c'est qu'on a gagné une bagnole. Wouhou! Allez. Ah ouais, bah ouais, bah ouais, nique ta mère toi aussi. Nique ta mère, fils de pute. Allez. Y'a que moi! Y'a que moi! Y'a que moi sur la map! Y'a que moi, bande de fils de chien! Allez, j'arrête. J'arrête, les gars. J'arrête. 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 Point final. J'arrête. 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 Bon. Je suis pas forcé le destin, les gars. Je suis pas forcé le destin. J'arrête. J'arrête. Le premier épisode, l'enregistrement, il plante. Je perds la moitié. Je perds un épisode, on va dire, entre guillemets. Deuxième épisode, je me fais pisser dessus. Deuxième tentative, je me fais pisser dessus par une herse qui apparaît comme un Pokémon. Là, il fout une herse pile poil sur le radar, hein? Donc de toute manière, c'est soit je prends la herse, soit je prends un truc et je perds des kilomètres à l'heure. Bravo, JC. Bravo. Le pire, c'est qu'en plus, si je prends pas, si je garde pas ma voiture à la quatrième étoile, hein? C'est-à-dire que quand je vais refaire le truc des flics, hein, après les défis contre les flics. Hein, les R, ces machins conneries comme ça, va falloir attendre encore 40 minutes, hein, parce que ce putain de jeu, hein, il n'est pas capable d'envoyer des flics, hein, toutes les secondes, hein. Non, mais je rage parce que ça me saoule, quoi. Là, aujourd'hui, là, c'est phénoménal. C'est phénoménal. Incroyable. Ah, niquez vos mères, les filles, je peux plus vous entendre. Vous. T'sais, je ferais comme certains, t'sais, je dirais rien, je désactiverais des trucs. Et des fois, je me les comprends. Hein. Comme une fois, je regardais, je sais plus qui c'est qui avait fait ça, un youtubeur, qui a fait un let's play sur Hit, mais qui avait utilisé le truc Cheat Engine pour modifier la valeur des mecs, en fait, de la puissance des voitures de ses adversaires. Donc en fait, il était assuré de gagner les courses. Quoi qu'il fasse, presque. C'est incroyable. Et on lui a rien dit, tu vois. Je suis pas comme ça. Je gueule. Je préfère gueuler que utiliser la triche. Ah, je les ai pliés en deux là. Mais là, tu vois, là, j'ai même pas les flics, tu vois. Ça pouvait pas être comme ça tout à l'heure, tu vois. Non mais regardez les gars, comment je pouvais voir qu'il y avait une herse là, juste là, bim! Tu pouvais pas la voir, c'était pas possible! Oh, je... Instant kill là! Ah, je les spoon trap le bordel! Non, ton véhicule, je l'ai pété, dis-le sincèrement. Hein.
Bon, on a 300 km à l'heure d'avance. Ça va le faire, reste un radar. Sauf si je me chie, bien évidemment. Tenez. Bon, normalement, ça passe quand même. J'ai envie de vous faire un épisode d'une heure. Ah, je m'arrête là. On va attendre. Avec son lambeau, avec son huracan, personne va l'arrêter, lui. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. La loi devrait être la même, même pour les PNJ. Attendez, il y a l'hélico qui me regarde, là. Qu'est-ce qu'il va me faire? Qu'est-ce que tu vas me faire, toi? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, fils de chien? Allez, allez. Bah, je vais te laisser me niquer, peut-être, connard. Ah, il y a plus de plaisanterie là, ça me saoule. Mais je vais me concentrer, si ça passe, ça passe, ça passe pas, ça passe pas. Allez. Bon, très utile. Ah putain, je voulais le taper, lui. Mais casse-toi! Mais avec ta Pontiac, mais l'autre comme une bourre! Ouais! Putain, j'ai ralenti! Allez, bim! Tiens, allez! Compris, 2-1. Parfait. Ça m'a envoyé dans le camion. Allez, allez, ma grosse! Oh, y a le camion, quoi. Fait déraper. Voilà, on sert du camion, nous. Merci, frérot. Dédicace à tous les camionneurs. Voilà. Bon, lui, il a tout compris, il va dans l'autre sens. Ah, mais non, mais c'est un ennemi allié, quoi. C'est un frérot de la Vegas, mais pas tant frérot que ça, quoi. Je crois que c'était l'autre en féfé, en plus. Voilà. Plus qu'une bagnole de flic.
Non mais faites-moi pas ce coup-là. Il y a une petite R ça. Non mais viens là! Viens là! Viens là! On va attendre 2 minutes. Mais pourquoi ils se barrent les flics comme ça? Oh! Ce bourrin l'autre. Oh bah oui, on a le temps de papoter, tiens, que vous voulez qu'on parle de quoi, les gars? Hein? Ah là je suis énervé là, honnêtement là, je suis énervé, j'ai plus trop envie de rire en fait. Je vous le dis, j'ai plus trop envie de rire parce que j'ai perdu quand même 2 heures. Du coup le let's play ne sera pas à 4 heures, hein, parce que là il est presque 4 heures. Ça me fait chier. Ça me fait réellement chier, hein, je vous le dis. Hein. Le code 6 ne veut pas s'arrêter, frérot, je bouge pas. Qu'est-ce que tu me parles? Ah lui, il passait comme une balle. Allez. Bah finalement, on aura tout fait. Ah. Bah presque, il nous manque 2-3 courses, des trucs comme ça, mais... Putain, on a perdu 2 heures, quoi. J'ai perdu 2 heures de ma vie pour faire ce putain de let's play, c'est incroyable. Putain, putain, ce poil de nez, il était énorme, là. Blah! C'est chiant, les poils de nez, c'est hyper chiant. Alors des fois, tu peux avoir rendez-vous avec une meuf et puis tu te parles comme ça. Et imagine, t'as un poil de nez qui descend là, comme ça, tu fais quoi? Incroyable ça. Bah, le mec, on parle de gangbang, il s'enlève les poils du nez pendant les let's play. Ah, je bougerai pas. Allez, on s'arrache de là. Ah, c'était short là. Cachette! Tu as rien verrouillé du tout, frérot. Moi qui te le dis. Hein. Ah bah putain! Ah. Salut, c'est moi. J'ai su que ce vieux rogue veillait sur toi. Je me demande. Tu sais, je me demande bien pourquoi. Si tu veux mon avis, c'est un peu bizarre tout ça. Mais bon, après tout, je suis peut-être mal placé pour juger. Vous vous reverrez sûrement en tôle. A plus. Je croyais que tu m'aimais, Résor. Ah, attendez, on a un autre message là. On a un message. C'est Mia. Je n'y crois pas. Je pensais pas que ça se passait comme ça, Rockport. Ces pilotes sont très organisés. J'ai sillonné les rues de la ville pendant un moment sans me douter de ce qui s'y passait. Va voir un peu là-bas pour te rendre compte par toi-même. Je te rappelle plus tard. T'inquiète pas, le prochain épisode, on y va. Mais en tout cas, voilà, les gars, on va retourner à la planque. Très mauvais épisode, je vous le dis. Très mauvais épisode. Je suis désolé. Je suis désolé. Il y a eu beaucoup de rage. On a perdu un épisode, hein, donc excusez-moi déjà par rapport à ça. Et puis voilà, de toute manière, vous savez que c'est tout en freestyle, donc vous voyez très bien comment ça se passe. Hein. Il n'y a pas de mytho, il n'y a pas de truc à ranger ou quoi que ce soit. C'est toute la merde. Hein. Voilà, donc c'est comme ça. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo-là jusqu'à la fin. Tiens, si tu es là, toujours là à la fin de la vidéo, tu mets un petit hashtag. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre là comme hashtag? Hashtag. Non, pas karma. Hashtag. On est combien là? On tape. Mais non, pas ça, frérot. Hashtag 8. Tu mets hashtag 8 si t'es toujours là.
Et puis voilà, en tout cas, merci à tous d'avoir regardé quand même cette vidéo-là jusqu'à la fin. On se retrouvera pour le prochain épisode, bien évidemment. J'essaierai de faire les choses correctement cette fois-ci. Donc en tout cas, voilà, je vous remercie. Lâchez votre petit pouce bleu. N'oubliez pas que dans la description, il y a le Twitter, l'Instagram et la chaîne Twitch que vous pouvez follow. C'était Monsieur JCK.